Ça fait peut-être deux heures qu'on est parti. On commence à sortir des îles des Bivyai. On a du coup les îles anglaises qui sont sur notre droite, les îles américaines qui sont sur la gauche. Et puis bah, le vent fait un peu n'importe quoi, mais c'est normal, hein, faut le temps qu'on sorte de toutes ces îles. On peut avoir entre 8 nœuds d'un coup, 16-17 nœuds après, soit on l'a complètement à 180 degrés, soit on l'a à 90. Donc là, on a retiré le génois qui était tangonné sur la droite en ciseaux. Et puis on a mis la trinquette sur la gauche. Comme ça, on avance tranquillement. Et puis d'ici 2 heures, on devrait avoir notre vent à peu près définitif. Et puis on pourra voir si soit on remet le génois sur la gauche, soit on remet notre génois tangonné sur la droite. Mais au moins, on n'aura pas toute l'installation du tangon à refaire. Et puis on avance bien. On avance à 6 nœuds là, avec 13 nœuds de vent à 120 degrés. Eh bien, c'est bientôt la fin de ce premier jour de nav. On avance très bien, hein. On a un super coucher de soleil derrière nous. On a des conditions qui sont vraiment tip-top. Et puis bah, on espère que la nuit va rester sur la même conduite. Et là-bas, on voit Puerto Rico. Et bah, deuxième jour en mer, tout va bien à bord, on a passé une bonne nuit malgré pas mal de grains. On a les voiles toujours en ciseaux, on avait un peu de vent ce matin et puis là ça monte un petit peu, il y a des grains à droite, à gauche. On est en train de passer le Mona Passage, qui est entre Puerto Rico et la République Dominicaine. Et puis il nous reste 480 et quelques milles avant d'arriver à Gritinagua. Eh bien, que dire du bilan de cette seconde nuit, si ce n'est qu'elle a été humide. On a pris des grains une bonne partie de la nuit, surtout au début. Et je crois que c'est les premiers que j'ai comme ça, qui se posent autour du bateau, qui sont énormes. Au radar, c'est tout jaune, c'est une grosse masse toute jaune. Et il pleut, et ça s'arrête plus, et tu vois plus rien. Tu vois même plus l'avant du bateau. Donc voilà, ici c'est un petit peu gris, bizarre pour une route vers les Bahamas. La zone est assez instable, mais bon, on avance correctement, on a fait 300 milles en 48 heures. Et là le vent va baisser jusqu'à peut-être ne plus rien avoir d'ici demain. Donc on croise les doigts, on est toujours en ciseaux. Là, il y a des petits grains autour de nous, donc on a rangé parce qu'on pense qu'il va encore un peu pleuvoir. Et puis, on a empanné tout à l'heure pour se rapprocher un peu des côtes de République Dominicaine. Et puis, on revirera ce soir en direction des Turks and Caicos parce qu'on a le vent complètement derrière, encore une fois. Et du coup, on est obligé de faire des petits zigzags avec le tangon. Donc voilà.
Bon bah c'était prévu, hein, on est le dimanche et il y a eu une bulle sans vent depuis ce midi. Donc on a fait un peu de moteur et puis là on vient de mettre un bout de génois tangonné sur la gauche et le génacœur sur la droite. Donc pour l'instant ça nous permet d'avancer à bien 5 nœuds avec 8 nœuds de vent réel. Donc c'est pas mal, l'arrivée prévue dans la nuit à Inagua. Et bah ça y est, on est arrivé aux Bahamas, on vient de faire le check-in sur Great Inagua, on a payé pratiquement 500$. On a lâché un rein, voilà. Donc voilà, on va essayer de rentabiliser ça. On a un mois aux Bahamas avant de repartir pour les Bermudes, donc c'est parti. C'est trop cool parce que on retrouve tous nos copains. Donc il y a Sipper, il y a Tacoon, il y a Toucan, et maintenant il y a le GG. Alors, cette première navigation aux Bahamas. Quel bonheur de naviguer en maillot de bain. On est dans une petite piscine. On quitte Matthewton qui était juste ici où on a fait notre clearance d'entrée. Et puis, on va rester sur Great Inagua encore aujourd'hui. On va partir demain matin à 5h pour aller sur Auckland. Et en attendant, on va découvrir un autre petit mouillage plus au nord de Great Inagua qui bouge un peu moins. Et puis bah, qui nous rapproche un petit peu pour demain, parce que demain on a 85 000. On va essayer de le faire dans la journée. Et puis là, on a mis le génacœur. Bon, on a un grain qui est là-bas, mais potentiellement il va passer, enfin on espère. Donc petite nef tranquille. Alors, ça change vite pourtant de faire un peu de traîne, hein? Ouais, pas les mêmes sensations. Hein. Et ben, on a quitté Great Inagua ce matin, qui était notre première île des Bahamas. On était au mouillage au nord, dans la grande baie de Man of War. Et puis là, on prend la direction de Auckland. Et puis, on avait 80 000 à faire. On a une météo plutôt cool, puisqu'on est entre 15 et 20 nœuds de vent, au près serré. Donc, on est parti tôt ce matin et on espère arriver avant la nuit. Un grain
inacceptable. On va où? Eh ben on va au nord de l'île de Krook Thailand. Donc on va à Landre Point, tout simplement un peu plus vite que prévu parce qu'on a pas mal de vent. Il y a un petit coup de vent prévu pour la nuit dernière et on s'est retrouvé dans un mouillage où au final l'ancre était très mal plantée. Donc autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi et on va essayer de se trouver un petit coin sympa des Bahamas où on peut se reposer parce que depuis quelques nuits on n'arrête pas là. Petit point condition pour cette nave jusqu'à Landrail Point. Franchement, on avance super bien. On est entre 7 nœuds 5 et 8 nœuds avec 2 riz dans la grand voile, un génois qui est un petit peu enroulé quand même. Ça agite fort, mais ça avance bien. Il marche bien. Il est content. Je sais pas s'il a envie de rentrer lui. On va essayer de continuer à s'enfoncer jusqu'où on peut. Bah c'est fini. Il y a un mur. Et bah c'est fini. Il y a un mur. Le GG est là-bas. On vient d'arriver au tout petit port. Et puis on va aller découvrir Krook Thailand. Et demain, départ pour Long Island. Bon, 3 heures pour se faire un peu brasser. T'aimes pas trop ?